Bonsoir, c'était le printemps ce samedi, 19 degrés à Reims et Strasbourg, et demain ce sera l'hiver avec le retour d'une dégradation pour la matinée entre les Charentes et l'Alsace, avec quelques gouttes en plaine et des flocons pour les hauteurs. Vous retrouverez de belles éclaircies au nord, mais avec la bise qui va souffler, des rafales jusqu'à 90 km à l'heure sur les côtes de la Manche, où quelques giboulées pourraient d'ailleurs circuler, du soleil prévu en Méditerranée, et pour l'après-midi le front se décalera de la Gironde en montant jusqu'aux frontières allemandes avec une chute de la limite plus neige, assez peu de précipitations dans l'ensemble, quelques giboulées possibles entre la Normandie et la Belgique, elles seront localisées mais la bise sera glaciale sur ces régions avec des rafales de 70 dans les terres et 90 pour les littoraux. Les températures de ce dimanche matin entre 1 degré pour Luxembourg et 10 pour Nice, et dans l'après-midi la chute sera vertigineuse. Vous aviez 19 degrés à Reims et à Strasbourg cet après-midi, seulement 8 degrés demain, soit 11 de moins, un petit 9 degrés à peine pour Paris, et avec le vent qui va souffler, le ressenti sera encore bien plus froid. Pour lundi, la dégradation et l'air froid gagneront le sud du pays, avec quelques précipitations qui donneront de la neige jusqu'à très basse altitude, 300 à 500 mètres à peine, plus de soleil prévu entre la Vendée et le nord-est, avec davantage de nuages de la Bretagne jusqu'à la Belgique. Vous notez la bise qui va se maintenir sur une large moitié nord et qui va apporter des ressentis hivernaux, d'autant que les températures seront partout largement sous les normales de saison et on retrouvera même un risque de gelée le matin. Mardi, encore des nuages prévus des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée avec quelques ondées par endroits, plus de soleil pour les régions du nord, notamment entre le Poitou et le nord-est, mais la bise sera toujours présente et les ressentis toujours aussi froids, avec un risque de gelée le matin pour une très large moitié nord, et l'après-midi on aura souvent du mal à atteindre les 10 degrés. Il fera encore très frais pour mercredi et pour jeudi, avec encore un peu d'instabilité entre les Pyrénées et la Méditerranée, se traduisant par quelques ondées. Ce sera plus lumineux dans les autres régions, avec un peu plus de nuages pour jeudi entre la Bretagne et la Belgique. Des températures froides le matin avec des risques de gelée pour la moitié nord. L'après-midi, il fera frais. Et puis ça devrait progressivement se radoucir pour vendredi et pour samedi, avec peut-être plus de nuages cette fois-ci pour le nord et un soleil plus présent dans le sud du pays. Ce soir, on prend la direction du département du Nord, dans les campagnes, avec des paysages embrumés au moment du lever du soleil, température d'un petit degré, mais il a quand même fait 15 degrés cet après-midi. Demain, dimanche 29 mars, attention, n'oubliez pas de passer à l'heure d'été. À 2h cette nuit, il sera 3h, voyons le bon côté des choses, le confinement durera une heure de moins. Bonne soirée à tous, très bon dimanche et à demain.